No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. He and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors bonjour, bienvenue aux capsules eschatologiques produites par Plein Feu sur l'heure juste. Nous sommes le 16 juin 2011. Nous allons continuer dans les capsules en procédant à des comparatifs de vitesse. La première chose que nous allons regarder, c'est l'étude d'une étoile qu'on appelle, d'un système d'étoiles qu'on appelle Alpha du Centaure. Alpha du Centaure est considéré comme un système à étoiles doubles ou un système binaire. Il s'agit de Centauri A, qui est la plus grosse des étoiles, qui est semblable à notre Soleil. C'est un type spectral de type G2, très semblable au Soleil, comme il est mentionné ici. Vous voyez la différence de grosseur, il y en a une, mais la luminosité, la clarté, le poids, la masse, c'est quand même comparable. Et il s'agit d'un système double parce que vous avez Centauri B, qui est en orbite autour de Centauri A. Et le point le plus important ici à vous rappeler, c'est qu'il y a aussi une troisième étoile qui gravite en l'entour de ce système double-là, qui s'appelle Proxima du Centaure. Il s'agit d'une étoile naine rouge, qui est quand même plus volumineuse et plus massive qu'une naine brune. Et cette étoile-là, Proxima du Centaure, porte bien son nom, Proxima, qui veut dire proximité, c'est l'étoile la plus proche qui existe de notre système solaire. Évidemment, c'est l'étoile reconnue par la science comme étant la plus proche de notre système solaire, parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes un système binaire, donc une étoile qui tourne alentour de notre Soleil et qui se nomme Nibiru, nommée par les Sumériens. Et si on regarde la distance des trois étoiles, on dit bien que c'est Proxima du Centaure qui est la plus proche de nous, à 4,22 années-lumière, donc c'est 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, la distance entre la Terre et le Soleil est appelée unité astronomique. Nous avons fait des calculs ici. On arrive à 265 000 années-lumière. Eux ont sûrement pris une moyenne parce que l'étoile Proxima du Centaure tourne alentour de ce système double-là. Donc, va avoir éventuellement une périhélie et une aphélie par rapport à notre position à nous. Elle demeure toujours la plus proche, mais il y a une moyenne de distance. Donc, cette valeur-là, ici, on l'a validée. Elle est exacte. 270 000 fois, et c'est l'étoile la plus proche de notre Soleil. On va vous montrer bientôt un orbite qu'on a dessiné, qui est celle-ci. Et c'est la plus proche à l'échelle de ce que Nibiru pourrait vraiment ressembler. On l'a évalué à partir des textes anciens et des prophéties anciennes, comme les textes de la Colbrun, du livre de Colbrun, et aussi des textes de la prophétie de Zohar, qui nous mentionnent que cet objet céleste est d'apparence rouge quand elle devient visible. Ils disent « reddish » en anglais, « rougeoyante », d'aspect rouge, qui correspond vraiment à la visibilité de ce qu'une naine brune aurait
lorsqu'elle sionise, il devient visible à l'œil nu. Autre point important, c'est que si on regarde dans la Bible, on parle du grand dragon rouge dans le chapitre 12, on va y revenir. Encore une fois, toutes les prophéties nous parlent d'un astre de couleur rouge. Les Hopis, la prophétie des Hopis, il y a 9 grands signes. Et le dernier des grands signes est la Blue Kachina. La Kachina, qu'est-ce que ça veut dire selon les croyances autochtones? C'est un être spirituel qui dévoile son identité en retirant son masque. Donc, ça n'augure pas bien pour nous. Ce qu'on croyait être, finalement, on va avoir des surprises. Mais il y a deux Kachina. Il y a la bleue et la rouge, qui est la toute dernière, qui vient après la bleue. Et cette Kachina-là, elle est rouge. Et il l'appelle aussi le purificateur. Vraiment, toutes les prophéties, on se rend compte, convergent même vers la même information, à l'effet que Nibiru serait vraiment la dernière astre à passer proche de nous, et elle est de couleur rouge. Bon, maintenant, nous allons regarder cette fameuse orbite que nous avons dessinée ici, qui semble, nous avons mis en toute perspective à l'échelle. Les unités dans lesquelles on va se tenir sont des unités astronomiques, c'est-à-dire qu'on va parler d'une unité astronomique, deux unités astronomiques, etc. Quand on va calculer la surface de l'ellipse ici, on va la donner en unités astronomiques carrées. Et une unité astronomique, pour vous donner une idée, c'est 150 millions de kilomètres. Ça équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil. Juste avant de procéder ici, nous allons vous montrer la deuxième loi de Kepler. Deuxième loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle dit? Quand vous avez une orbite elliptique, vous avez le Soleil, donc vous avez une orbite elliptique excentrique, c'est-à-dire que le Soleil n'est pas centré dans le milieu de l'orbite, il est plutôt décentré, donc excentrique. Et si on prend notre objet, Planète X, qui doit parcourir un arc de circonférence de C à D, et on trace une ligne par rapport au milieu du Soleil, si on calcule la surface de ce triangle-là, elle doit être égale à la surface d'un triangle du côté de l'aphélie. Ça ici, on est du côté de la périhélie, donc du point le plus proche du Soleil. À l'opposé, on est l'aphélie, qui est le point le plus éloigné du Soleil. Et la surface de ce triangle-là doit équivaloir à celui-ci dans une même période de temps de déplacement. Vous allez vous rendre compte que à l'aphélie, l'objet va rouler beaucoup moins vite et au fur et à mesure qu'elle se rapproche du Soleil, donc la force de gravitation augmente de façon exponentielle, inversement proportionnelle à la distance. Donc, ça va accélérer de façon grandiose pour passer proche du Soleil à la périhélie à sa vitesse maximale, juste au point ici. Et la vitesse minimale, on l'aurait ici. Donc, pour la même surface de triangle, comme vous pouvez le voir ici, la distance parcourue est beaucoup plus faible. Mais étant donné que la longueur du triangle est beaucoup plus longue, parce qu'on parle de l'aphélie, à ce moment-là, la surface s'additionne très rapidement ici, pour même si on a une circonférence beaucoup plus faible ici à calculer. Donc, c'est ça la deuxième loi de Kepler. Et l'orbite que nous avons fait, nous allons faire des calculs ici, nous allons devoir grossir. Nous avons mis le système solaire à l'échelle avec les dimensions, les distances proportionnelles des planètes à l'échelle. Et nous avons calculé toutes ces dimensions-là en unités astronomiques. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la distance entre le Soleil et le point le plus éloigné serait de 640 unités astronomiques. Mais comme vous avez pu le constater, ça a l'air beaucoup, 640 unités astronomiques, c'est environ 8 fois la distance complète du diamètre de notre système solaire. Donc, vous prenez le diamètre du système solaire ici, je vais le grossir un peu, vous voyez un petit peu mieux. Cette distance-là ici, de là à là, qui correspond à l'orbite de la planète la plus éloignée de notre Soleil dans notre système solaire, qui est Pluton. On parle environ de 40 unités astronomiques ici, donc 2 fois 40 pour le diamètre. On parle de 80 unités astronomiques.